Ok, désolé pour la coupure brutale. C'était pas volontaire. Comment dire, c'est tout con, hein. J'ai été obligé de recharger le jeu dans tous les cas. Parce que tout simplement, ben mon disque dur était plein avec le timelapse. Donc j'ai saturé mon disque dur hier soir, donc là j'ai fait le. J'ai fait l'encodage. J'ai pas encore monté les épisodes. Mais voilà, on est parti pour la dernière mission. Donc là, plus aucun cheat n'est activé, hein. Plus aucun cheat n'est activé. Mais j'ai toujours les balles, voilà, à fond. Donc à fond, en fait, dans les métadonnées du jeu, elles sont à peu près 100 000. Donc j'ai à peu près 100 000 balles de chaque. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc de toute façon, j'ai largement de quoi finir la dernière mission. End of the line. Hey, sweet! What's up? It's time for smoke. Alright, let's roll. The Johnson brothers finna take that fat fool down. Ça, c'est insultant. Alors, on va juste prendre les mitraillettes histoire de pouvoir courir. Sure, he in East Los Santos. Yeah, right on the edge of Los Santos. Some old apartments and a warehouse. He's good as dead. I can't believe you bought that same bucket ass car, man. Hey, if it ain't broke, don't fix it. So this is it, huh? Johnson boy sorting shit out. Yeah. Nervous? Yeah. Me too. Me too. Ça gouille un petit peu. J'ai rien en attente, hein. J'ai absolument rien qui tourne derrière, même tout ce qui concerne le travail. Je veux vraiment pas foirer cette mission, donc j'ai absolument rien qui tourne derrière. Ok, ça flash un peu. Look, I know you down for this, but I gotta go in there alone. What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but you're right. I was a buster when my family needed me the most. Hey, I let Brian die, man. This one for him. For moms. And for you, bro. For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know I'll be. For sure. You always been there for me, man. Ça, ok, c'est parce qu'il y a un lamp les lampadaires en fait ils clignotent, c'est pour ça qu'il y a un clignotement dégueulasse. Ça c'est un peu idiot. Je trouve ça dégueulasse en fait. Ok. Donc j'ai quoi à faire? J'ai. Ok. Donc c'est trois fois. Quoi? Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Je suis rentré dans une maison. Ok. Dafuk? D'où je me suis fait tirer dessus? Mais quoi? Genre? Hé, poteau!
pas de témoin. Bon. De l'autre côté, non, ok. J'ai tourné à droite par instinct. Et ça a été payant. Hein? D'accord. Hein? Mais... D'accord, ouais. Aucune chance. Deuxième étage. Bon, j'ai avancé prudemment en fait. De toute façon, on a le temps. Là, le disque dur, il est vide. J'ai largement le temps. J'ai vu que j'avais un gilet pare-balles derrière. Ce qu'il faut c'est pas que ça. Je vais éviter de... Il est où? Putain. J'allais chercher le gilet pare-balles qui est en arrière. Putain. Il est où? Eh bon, je l'ai eu. Ok. Donc pas là. Continue par là. Facile. Je voulais être sûr pour pas me prendre moi l'explosion, hein. C'est pour ça que je l'ai fait exploser. Bon, il y a de la vie, quitte à faire, je vais me mettre full. Bon, et ben on est pas mal là. Troisième étage. Salon des ballas. Ok. Ok, il y a encore un gilet pare-balles ici.
défi quand même parce que je vais tomber en dessous de la barre des 10 000. Je le sens. Putain, non, bah, je suis rentré là-dedans, j'ai fait un massacre. Oh, elle est trop cheatée cette arme, sérieux. Désolé madame. On prend la gauche. Génial, un gilet pare-balles. Et la madame ? Ouais, charmante hein. Pardon. Allez, on va se reconcentrer sur la mission. Là, dès qu'il y a des boobs, hein. Hey, Smoke. Hey, CJ, I was wondering when you would show up. How'd you know it was me? Knew it was my old dog, CJ. Knew you was coming and I don't give a shit. I'm here to take care of your fat ass. Then I'm gonna take care of your friends in the police department. Where they at? Man, fuck this shit. Man, that's some good shit. Man, you and Tenpenny. And fuck Tenpenny and fuck his Polish lapdog and fuck the police, man. Oh, that's old shit. Look at you. You got the whole world. I ain't got no regrets, man. Smoke, you had... I made it, CJ. I'm a success. I can't be touched. I don't give a fuck. Fuck the whole world. What happened to you, man? Man, what the fuck do you care? I guess we better do this shit then. You wearing body armor? Crazy cats out there wanna smoke. Damn, you real homie, huh? C'est bon. Hey, Smoke, what made you flip out like that, man? Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Johnson, my man, I need you to do me another favor. Kill Pulaski, now this fat fuck, there's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone, nobody got your back. Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside, but I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there. All right, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. Crazy, man. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, no, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl. You know,
You're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! What? Mother! It ain't over, Carl. It ain't over. Carl, you motherfucking piece of shit, gang-banging cocksucker! Ok. Ce coup-ci, je me fais pas avoir. Donc, je suis sûr qu'il y a une sortie par là. Hein. Est-ce que j'ai... Ouais. Putain, y'a rien. Ok. Ok, bon, je suis limité en temps. Bon, bah, si je suis limité en temps, on va plutôt courir. Petit souci, il y a même pas eu de coupure. Hein. Faut vraiment que j'arrive à me tirer de là. Ok. Bon. Voilà. Ah pas bien. Honnêtement, je pense que tu verras bien. En feu, je devrais pas l'être. Putain. Ok, je vais être obligé, je le sens bien. Si je vais pas mourir. Thank you.
Ok, je suis sorti. Non, pas encore. Bon. Ok. Bon. Tenpenny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you've done. Sweet, no! Oh, le... Ah, les chalets invisibles. Hang on, sweet. J'arrive à le récupérer en fait. Simplement. Voilà. Le problème c'est ça. Le problème c'est que je conduis comme un manche. Donc. Allez. Et je l'ai là. C'est pas vrai, allez. Je vais aller là-bas. Take the wheel, it's payback time. Motherfucker, take that big bastard down. Watch our six. Juste le son du jeu est un petit peu fort pour moi. Ah,
but y'all see Joe. Évidemment, il tombe à Glow Fix. Bon. Attendez, je vérifie un truc. Ouais, non, c'est bien ce qu'il me semble. Himself in a traffic accident. No one to blame. This road. Far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. See you around, officer. Hey, now that everything is cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on it. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Shut up. You're fucking local, isn't it? Joke on. Anyway, what's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam. Has anyone got
spot of tissue in my nose. And it won't stop running. Is that anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening. Et voilà, donc on a terminé le mode histoire de Cell Andreas. Oui, Cell Andreas. J'hésiterai pas à appeler cette version remasterisée comme ça. Parce que clairement, j'ai pas mal ragé dessus. Bon, on a quand même réussi à aller au bout du jeu. Alors déjà, le mode qui fait planter certaines missions, bah, c'est très cool. Putain, par contre, cette musique... Bon, alors j'ai pas remis. Enfin, j'avais fait exprès, j'avais fait tout mon possible pour couper toutes les musiques du jeu. De façon à pas être. Enfin, presque toutes les musiques. Enfin, surtout celles qui passaient aux radios. La radio en fait était toujours sur off. Et donc voilà, on a. Donc c'était pour éviter d'être flagué. Bon, comme d'habitude, à la fin de chaque let's play, je laisse le générique. On se fera quand même l'épisode spécial casino. Je prévois peut-être genre 25 minutes de poker, 25 minutes de blackjack. Ça c'est cool. Et puis ouais, on va se faire ça. Après bon, il nous reste l'auto-école à terminer. Il nous reste, voilà, il y aurait pas mal de trucs à faire. La reprise des quartiers de gang, voilà. Donc en fait, le jeu ne s'arrête pas là. Le jeu ne s'arrête pas là en réalité. On va juste se faire un petit peu de casino pour s'éclater un peu. Mais voilà. Bon, donc non, par contre, j'aimerais revenir sur les bugs quand même. Ça craint. Enfin, je veux dire, le jeu original était absolument génial. Et c'est vrai que j'ai dit de nombreuses fois, ouais, ça serait cool que le jeu ressorte avec une avec des graphismes plus récents. On peut taper les codes pendant le générique, c'est cool ça. Non, parce que les flashs, voilà, je sais qu'il y en a certains. Voilà. Et donc, ouais, ça pareil, j'ai l'impression que la météo est beaucoup plus pourrie que dans le jeu original. Surtout à San Fierro en fait. Surtout à San Fierro, j'ai l'impression qu'il n'est jamais beau à San Fierro. Enfin bon. Est-ce que là-bas, San Fierro a une réputation, enfin, San Francisco a une réputation d'avoir une météo pourrie? J'en sais rien. Enfin voilà. Non, oui, puis des personnages qui ont des bugs, genre il leur manque la mâchoire inférieure, non, ça c'est ce genre de bug, enfin voilà quoi. Les mecs ont pas testé avant de publier leur truc. Moi, en ce qui me concerne, tout est à jour. Hein. Moi, toutes mes librairies, à tout mon PC, mon Windows est à jour. Tiens, on a le nom des acteurs qui jouent chacune des personnes du jeu. Mais clairement, enfin voilà quoi. Il y a vraiment eu du sel, c'est vis-à-vis de... Bah, premièrement des graphismes et deuxièmement de la difficulté de certaines missions qui étaient buggées. Beaucoup de crash du jeu également. Ça c'était un gros problème. Quand le jeu crash sans raison. Et puis à San Fierro quand même, la map qui est à moitié pétée. On est passé quand même sous la map. Enfin, il y a un endroit où on peut passer sous la map, mais à la way again. Pas de soucis quoi. Non, franchement. En fait, au final, je suis plus déçu par cette nouvelle version que par l'ancienne. Je sais pas, je suis content de l'avoir fini, je suis content d'avoir revu San Andreas avec des meilleurs graphismes malgré les quelques bugs. Mais ça me laisse un goût amer. C'est bizarre, je sais que j'ai ragé dessus. Je sais que le jeu m'a fait rager. Mais j'en garde un bon souvenir quand même. En fait, j'en garde le bon souvenir avec le goût amer que je sais que j'ai ragé dessus. C'est assez bizarre. C'est assez étrange.
comme sentiment que j'ai vu ce jeu, parce que à mon avis aussi, bon, San Andreas, voilà quoi, j'ai joué pendant mon collège, j'ai joué pendant mon lycée, franchement, j'ai passé des heures sur ce jeu, enfin sur le jeu original. Je l'avais laissé tomber un peu, bon, quand j'étais passé en terminale. J'avais joué encore un peu en première, et puis en première terminale, j'avais un peu laissé tomber le jeu. Je l'avais fini de toute façon quasiment entièrement. Et donc je me disais, ouais, ben voilà, j'étais passé à autre chose, quoi. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir vis-à-vis de ça. Et là, cette version remasterisée, franchement, permet de redécouvrir le jeu avec de meilleurs graphismes. Mais les bugs gâchent tout, quoi. Enfin, pas tout. Les bugs gâchent énormément de choses. C'est le problème. Mais bon. L'important, c'est qu'on ait fini le jeu. On va se faire un petit épisode spécial casino pour ceux qui le voudraient. Donc pour ceux qui ne voudraient pas, bon, bah, vous êtes obligés de le regarder, hein, bien sûr. Voilà. On va voir le dernier coup de fil. Hey, what's up? Oh purée. Hello? Yes, Claude! Faster, harder, deeper! Oh, Jess! Jess, Jess! Catalina, you sick! Get help! And you, Carl, you are jealous! Ah oui, il y a les missions de Zero aussi qu'on n'a pas fait, mais... On les fera pas. Clairement, on les fera pas parce qu'elles sont plus chiantes qu'autre chose. Et puis elles sont complètement facultatives, celles-là. Enfin bref. Donc on a quoi? On a 900 000 $ à peu près, un peu plus. Il me reste des... Ouais, il me reste un véhicule. Bon, et ben écoutez. Non, c'est pas l'ambiance que je voulais. Le taxi. On va se rendre à Las Ventura et on va se faire le petit épisode casino. Et on va voir un petit peu si on arrive à gagner ou pas. À mon avis, on va se faire plumer, mais bon. Bon, et ben écoutez, en tout cas, cette série se termine là-dessus. Et puis, ben, je vous dis, on se retrouve pour le prochain épisode. Mais en attendant, ben, j'espère que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à liker les quelques épisodes qui vous ont le plus plu, à laisser des petits commentaires. Et puis, ben, sur ce, je vous dis... À bientôt !